Bonjour, dans ce dernier chapitre 1.6 de la première partie, nommé « Amélioration des contrastes », nous allons aborder de façon intuitive le contraste de phase et le contraste interférentiel différentiel qui nous permettent, en microscopie en transmission, d'obtenir une amélioration de la visualisation des échantillons simplement et sans coloration. Un échantillon peut être observé par différentes modalités. Nous voyons que cette cellule en culture est transparente et très peu contrastée en champ clair. En travaillant sur l'illumination et la détection, différentes techniques permettent d'extraire des informations supplémentaires de ce même échantillon. Nous allons aborder donc quelques-unes de ces techniques et essayer de comprendre d'où viennent ces contrastes et intégrer dans ces explications une bonne part des concepts abordés précédemment. Le premier mode de contraste présenté est le fond noir. Technique un peu oubliée maintenant, elle utilise un condenseur spécial où la lumière issue de la lampe va entrer dans le condenseur par une ouverture annulaire, puis va se refléter sur un miroir hémisphérique et entraîner en sortie un éclairage de l'échantillon par un faisceau de lumière en forme de cône creux. Le diamètre intérieur du cône est plus grand que la lentille d'entrée des objectifs. La lumière directe n'entre donc pas dans celui-ci et n'arrive pas à la zone de détection. Seuls les photons diffusés ou diffractés par l'échantillon seront déviés de la trajectoire directe et pourront ainsi être captés par l'objectif et générer un signal. Les éléments cellulaires et moléculaires qui diffusent le plus ressortiront comme étant les plus brillants. Ainsi, les corps denses des cellules, comme les mitochondries, seront bien visibles dans un fond noir. Il est possible de superposer plusieurs images avec différentes modalités, comme dans l'exemple de la diapo, où une cellule illuminée en fond noir est bien visible et la morphologie générale de l'échantillon analysée par une illumination polarisée. Un autre montage optique permet une observation en fond noir. Newton utilisa beaucoup en son temps l'observation que, lorsque le soleil entre dans une chambre obscurcie à travers une fente des volets, on obtient ainsi une feuille de lumière. Il l'utilisa pour la décomposition de la lumière en couleur pure, mais on peut aussi observer que de très fines particules de poussière, autrement invisibles, apparaissent sur le fond noir, car elles diffusent la lumière. La lumière déviée produit l'image. Une façon simple d'obtenir un éclairage en fond noir est d'utiliser une feuille de lumière qui n'entre pas dans l'objectif. C'est le principe de l'ultramicroscope, inventé en 1903 par Richard Adolph Zsigmondy dans le cadre de la détection et de l'étude de particules métalliques, des colloïdes d'or ou d'argent. Il obtint le prix Nobel de chimie en 1925 pour, je cite, « son explication de la nature hétérogène des solutions colloïdales et pour les méthodes appliquées au cours de ses recherches qui ont une importance fondamentale dans la chimie moderne des colloïdes. Cette méthode permet la détection de particules de moins de 10 nanomètres en solution, ce qui peut avoir un intérêt dans les études, par exemple, des bactéries en biologie. La technique d'illumination par feuilles de lumière est revenue au premier plan par l'apport de techniques de transparisation des échantillons, ce que nous aborderons à la fin du chapitre sur la fluorescence de la grande partie numéro 2. On doit l'invention du contraste de phase à Fritz Zernike, prix Nobel 1953, pour cette technique. Il a pris acte que l'œil humain n'est capable de voir que des différences d'intensité ou de couleur. Or, les objets biologiques sont souvent transparents ou peu contrastés. Par contre, l'indice optique dont nous avons parlé dans les chapitres précédents et la vitesse de l'onde lumineuse va donc être affectée par ces différents éléments et induire des retards de phase qui seront exploités et transformés en variations de contraste. Prenons deux ondes en phase. Le passage par l'échantillon qui est un milieu plus ou moins aqueux et d'indice 1,45 en moyenne va ralentir la lumière comparativement à la lumière directe qui ne passe pas par cet échantillon. Ce ralentissement va induire un déphasage d'un quart de longueur d'onde. Par la suite, les interférences constructives et destructives vont entraîner une variation relativement faible de l'amplitude finale de la lumière. On peut représenter, pour les plus mathématiciens, une onde par sa fonction trigonométrique comme un vecteur.
le déphasage d'un quart de longueur d'onde correspond à une variation de pi sur 2. La résultante en rouge de ces deux vecteurs a une amplitude trop faiblement différente des deux autres composantes. Il est difficile dans ces conditions d'extraire un contraste décelable. Dans un deuxième temps, nous pouvons apporter un déphasage supplémentaire d'un quart de longueur d'onde par une lame de verre spécifique qui va ralentir une seconde fois la lumière passant par l'échantillon sans toucher la lumière directe. Il s'avère qu'au final, les deux ondes seront en opposition de phase, donc en lambda sur 2. Les interférences constructives et destructives induiront une variation de l'amplitude bien plus importante qui iront jusqu'à l'annulation complète de la lumière. Le passage par une représentation vectorielle est très explicite et montre bien que la résultante en rouge crée des contrastes maximaux. Bien sûr, la difficulté est de séparer la lumière directe de celle qui passe par l'échantillon. Nous utiliserons donc un condenseur spécifique contenant un anneau de phase similaire à celui que l'on utilise dans le fond noir. La lumière va donc former un cône creux qui convergera vers l'échantillon. Si la lumière directe n'est pas affectée ni déviée par l'échantillon, elle continuera de façon rectiligne à l'intérieur de l'objectif. Et elle sera bloquée par une lame, dite lame de phase, inclue dans cet objectif. Cette lame comporte un anneau complémentaire de l'anneau de phase, qui va donc atténuer en très grande partie l'ensemble de la lumière directe issue de la lampe. Seule la lumière qui a été précédemment déviée de la trajectoire directe par l'échantillon pourra rejoindre le détecteur. Ainsi, la lumière transmise à l'intérieur et à l'extérieur de l'anneau de phase va pouvoir interférer et générer donc des contrastes maximaux observés lors du contraste de phase. Le contraste interférentiel différentiel, ou contraste de Nomarski, utilise une autre propriété de la lumière pour générer des interférences afin d'amplifier les contrastes. La lumière peut être polarisée et ainsi avoir un plan de propagation unique. Si l'on fait passer le faisceau dans un matériau dit biréfringent, nommé prisme de Wollaston, le faisceau est divisé en deux composantes de polarité orthogonale. Dans ce cas, les deux plans d'onde étant perpendiculaires, il n'y aura aucune interférence entre ces faisceaux. Certaines molécules biologiques, telles que les molécules chirales, induisent un changement de la polarité de la lumière. Ainsi, après avoir traversé l'échantillon et être recombiné dans un deuxième prisme de Wollaston en une composante unique, les faisceaux de lumière directe ne créeront pas d'interférence, étant orthogonales, et seront bloqués par l'analyseur, alors que la lumière qui est passée à travers l'échantillon biologique générera ces différences de contraste par interférence qui seront bien visibles. Ces deux types de contrastes n'utilisent aucun marquage préliminaire et peuvent donc être utilisés sur des préparations vivantes sans aucun problème. Il y a quelques différences en dehors du rendu visuel lié à chaque technique. Par exemple, le plastique change la polarité de la lumière et n'est donc pas compatible avec le TIC, à l'inverse du contraste de phase. En revanche, ce dernier est sensible au chemin optique parcouru et le réglage des anneaux de phase et de la lame de phase doit être optimal. Il génère également un halo autour de l'objet observé. Pour le DIC, il n'y a pas de halo et on utilise l'ouverture numérique maximale du condenseur et de l'objectif, ce qui permet d'obtenir une meilleure résolution. L'orientation de l'objet et de l'illumination par le polariseur affectera le rendu final. Par ailleurs, les éléments d'optique nécessaires pour créer ce contraste sont plus chers que pour le contraste de phase et relativement délicats à régler. Le DIC a cependant l'avantage d'être très efficace sur des structures épaisses comme une tranche de cerveau maintenue en survie in vitro pour des enregistrements électrophysiologiques de l'activité neuronale et est très utilisé dans les laboratoires de physiologie. Nous sommes arrivés à la fin de cette première partie dédiée à la microscopie transmise et à quelques bases de physique optique. Nous avons abordé l'optique géométrique et ondulatoire. Nous aborderons par la suite la microscopie de fluorescence dans une deuxième grande partie qui fera intervenir des points abordés jusqu'ici et quelques aspects de la physique quantique. Comme je l'ai dit en introduction, ce cours n'a pas vocation à des démonstrations physico-mathématiques, mais bien d'aborder des explications simples pour permettre de comprendre les phénomènes optiques liés à la microscopie dans le cadre d'observation des objets biologiques. Il a vocation à être amélioré grâce à vos commentaires et à vos remarques constructives.
je suis tout à fait réceptif à vos suggestions et je vous encourage à m'envoyer vos remarques par mail à l'adresse suivante françois.michel@inserm.fr. Vous trouverez également des PDF des diapos du cours sur le site internet de l'INMED dans la rubrique InMagic, plateforme d'imagerie de l'Institut. Je vous remercie et à bientôt.